Attendez, attendez. Il manque un dernier truc avant de commencer. Bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un mix de tout ce qu'on aime. La nourriture, la K-pop. Cette vidéo. Est-ce que vous avez bien ma tenue? J'ai essayé de faire un truc un peu K-pop, mais pas ça tous les jours. Genre là, je vais pas chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout mon style, mais je me suis dit que ça changeait. J'attends vos avis en commentaire. Aujourd'hui, on va manger comme les Blackpink. Vu que je suis à Séoul, je peux carrément aller dans leurs meilleures adresses. Je me suis dit que c'était obligatoire de faire cette vidéo. Donc écoutez, j'ai très très faim. En plus, attendez, j'ai oublié. Oh là là, je raconte pas le principal. Vous voyez mes ongles? Je les ai fait ici. Très très cool, mais là, il est temps de les refaire. Vous allez pas me croire ce que j'ai réussi à faire pour cette vidéo? Là, tout de suite maintenant, je m'en vais avant d'aller prendre le petit-déj pour refaire mes ongles et deviner qui va refaire mes ongles. Vous allez être choqués. Moi, je suis choquée. La prothésiste ongulaire des Blackpink. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec elle. Je vais parler de la vidéo et tout. J'étais en mode, je sais que je suis pas les Blackpink, mais s'il te plaît, fais mes ongles. Donc, on va aller se faire les ongles. Je lui ai dit, carte blanche, tu fais tout ce que tu veux, mes mains t'appartiennent. Let's go. Je suis arrivée. On doit attendre un petit peu parce qu'elle m'a dit qu'elle était en retard. C'est trop mignon l'endroit. Vous devez rien comprendre là. Il s'est passé quelque chose de dramatique et vous allez le voir dans cette vidéo. C'est le thème global. J'ai donc filmé le petit déjeuner après les ongles. Je n'ai plus les rushs donc je dois retourner le petit déjeuner et vous faire un débrief sur les ongles d'hier. Alors, parce que oui c'était hier. Mais je me suis quand même mise dans la même tenue pour vous. Hier donc elles me font les ongles. Déjà elles avaient 1h30 de retard, ce qui est un peu beaucoup. Vraiment. Franchement elles ont géré les ongles je trouve. Vous voyez le résultat? Bon c'est très coréen, je pense que je ferais ça nulle part ailleurs qu'en Corée. Mais le gros hic, devinez le prix que j'ai payé. Franchement. Moi-même, j'en reviens pas. Et vous allez être choqués. Et limite, j'ai honte de dire le prix que j'ai payé. Parce que, enfin, on va pas se mentir, ça les vaut pas du tout. J'ai payé 120 euros. C'est mes vrais ongles, hein. C'est pas des faux ongles. C'est juste de semi-permanents avec des dessins. Vous savez, c'était en won. Et genre, je regardais, je sais plus combien de won en euros. J'étais en mode, non, c'est pas possible. J'ai rajouté un zéro quelque part, il y a un problème. Pas du tout. En tout cas, je vous explique où on va aller pour le petit-déj. Ça va que je connaissais déjà l'endroit, donc il n'y avait pas un effet de surprise qu'on a perdu dans la vidéo. Dans leur vidéo vlog, on voit que dès qu'elles sont ensemble, pour le petit-déjeuner, elles se font tout le temps des fluffy pancakes. Évidemment, je suis dans une chambre, donc j'ai pas de cuisine, donc on va pas faire fluffy pancakes. Mais par contre, je peux vous emmener au meilleur endroit du monde. Elles disent dans la vidéo qu'elles aiment bien mettre des fraises, de la crème, un peu de sucre glace. C'est la description parfaite de ce qui est disponible là-bas. Donc on va y aller. De retour à Ixiangdong, un de mes quartiers préférés vraiment. Pour ceux qui regardaient les vlogs l'année dernière, vous savez exactement où je vous emmène. Cet endroit est tellement incroyable, je vous jure. C'est pas à côté de chez moi, donc j'y vais pas tout le temps, mais vraiment si c'était plus proche, j'irais tous les jours. Les pancakes chez Flippers. Un truc de ouf ici, c'est que vraiment, dès qu'il y a plus de 5 minutes d'attente, il le précise. Je crois que j'ai vu ça nulle part ailleurs. Il précise tout le temps. En vrai, c'est cool. Comme ça, tu sais. Alors, c'est prêt. Regardez-moi ça. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie, des pancakes comme ça? J'ai mis le flash de mon téléphone parce qu'on voit rien dans cet endroit. Je peux pas y croire. Vous voyez ça? Attendez de voir. Les pancakes, ils sont genre fluffy, fluffy, fluffy. La crème, c'est la meilleure crème de l'univers. D'ailleurs je sais pas ce que c'est comme crème, c'est pas du tout de la chantilly, hein. C'est une crème spéciale. Et les fraises elles sont incroyables. C'est inexplicable. Les gens ils sont partis, je vais mettre à côté de la fenêtre pour la lumière. C'est beaucoup mieux ici. Oh my god. Pour le coup je sais que ça a l'air bon, mais dites-vous que c'est encore meilleur que ce qu'on en a l'air. C'est inexplicable, je vous jure que c'est inexplicable. Oh bon. La crème, il se passe un truc. Il y a un arrière-goût, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Genre, c'est grave sucré. Je me demande si ça a pas un arrière-goût de café. Genre de café caramel. Mais je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est mon imagination. Désolée, je suis un peu nulle pour décrire les trucs. Je suis vraiment à l'attraction du village. Il faut toujours prendre une fraise, de la crème, un bout de pancake. Oh mon dieu. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est genre super fat. Mais pas du tout, c'est un vrai nuage. Genre c'est... Incroyable. Et voilà, j'ai terminé. Je recommande cette adresse.
J'ai payé à peu près 15€, ce qui franchement est hyper cher pour la Corée. Mais ça les vaut largement. Un des rares trucs où vous allez dépenser beaucoup d'argent dans la nourriture. Promis. Je vais vous laisser reprendre le repas du midi, mais je valide ce petit déj. On a pris un taxi, franchement on prend jamais le taxi. Genre on est tout le temps dans le métro. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'ici les taxis c'est pas très cher. Mais genre vraiment pas très cher. Genre l'autre fois, une heure de taxi, mais pour 16€. C'est vraiment, ça coûte vraiment vraiment pas cher. Je vous dis ça parce que le métro c'est incroyable ici, donc vraiment prenez le métro pour tout. Fermé temporairement. Oh, quoi? Yes, fermé temporairement. Je te crois pas. Non. Je peux pas l'accepter là en fait. Putain, je peux pas te croire. Ici, il n'y a pas Google Maps. Enfin, il y a Google Maps, mais ça ne marche pas. Si on vous recommande un resto ou quoi, vous avez très peu de chances que ce soit sur Google Maps. Si vous voulez prendre les transports, vous voulez prendre je sais pas quoi. Ici, il faut utiliser Naver. C'est l'application qu'ils utilisent, mais tout est en coréen. Donc, vous pouvez traduire. Enfin. Franchement c'est chiant, on va pas se mentir, c'est hyper chiant. Et également, tout change très très vite. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, il y avait des adresses que j'adorais, ça n'existe plus cette année. Et l'année prochaine, ce sera sûrement la même chose. Et là, c'est ce qui se passe. Cet endroit qui était un restaurant, et bah ça a changé, c'est une boutique de fringues, mais on dirait que ça fait 40 ans que c'est là, alors que ça fait sûrement 2 mois. C'est improbable. Bon, là où on a de la chance, c'est qu'il y en a plusieurs dans Séoul, donc on va pouvoir aller à un autre. Ça ne nous empêche pas de vivre, hein. Juste ça complique un peu la chose parfois. Comme la langue, parce qu'en Corée, alors attention, c'est pas comme au Japon. Genre en Corée, ils parlent très peu anglais. Il y a plein de gens qui stressent par rapport à ça, qui sont en mode attends, mais je sais pas si je vais à faire comprendre. Je conseille juste de télécharger Google Traduction parce que comme ça vous pouvez prendre des photos et ça traduit. Par exemple les menus, enfin vous voyez les trucs qui sont pas traduits comme ça. Là ça peut être galère si vous avez pas d'application. Mais franchement pas d'inquiétude. Ah c'est ça? Ouais. Voilà. On va mettre les choses au clair pendant qu'on attend devant le resto. Jérémy, il faut savoir un truc, c'est que ça fait genre 2 ans que je te dis mettre de la crème solaire tous les jours. Il a suffi. L'autre jour, on était en shooting. Il y avait la maquilleuse. Franchement, elle était tellement. Elle est trop mignonne, trop belle. Vous allez être choqués de son âge si vous avez vu la vidéo. Elle a 31 ans. Elle en fait, ouais, elle 25. Problème. Genre vraiment, ouais. Et du coup, elle a dit oui, mais je mets de la crème solaire tous les jours. Et le mec, il a décidé, du coup, le lendemain, de mettre de la crème solaire. Plus de bouffon, bah. La preuve par les faits. Toi, pour l'instant, j'ai pas eu la preuve. T'es un gros bouffon. Je vous explique ce que je fous là. En gros, c'est Jisoo qui vient ici quand elle est de passage à Séoul. Et je sais même ce qu'elle commande. Je vous mets des petites photos et tout. Elle fait tout le temps des stories quand elle vient. À ce qui paraît, avant, c'était genre pas du tout connu. Et maintenant, du coup, bah forcément, tout le monde vient ici. This one. Anything else? No, that's it. Comme ça, là. Comme sur les photos, elle a plein de trucs. Il fallait qu'on fasse un choix pour pas faire de gâchis. Donc, on a choisi ça. Et le kimchi fried rice. Oh my god, regardez, c'est le riz de... Non, le lait de riz. C'est du lait de riz? C'est ça l'histoire, je crois. J'espère que c'est bon. Oh mon dieu. Jérémy, c'est la meilleure boisson de ma vie. Ah ouais? Non, c'est pas une blague. Je te jure que c'est pas une blague. T'as vu? C'est un truc de ouf. C'est genre du caramel dans une boisson. Les boissons genre au lait comme ça, j'aime pas, normalement. Mais là, c'est incroyable. Je trouve qu'on dirait un gâteau, genre un gâteau nature caramel, je sais pas, c'est pas clair mais c'est trop bon. Désolée, je suis un peu nulle pour décrire les trucs. Nous avons notre kimchi frit avec du riz et nos sandwichs au porc. Franchement ça a l'air hyper bon et ça sent trop bon. En fait ici, comme en vrai dans pas mal de pays d'Asie, ils mettent souvent les plats au milieu et on a tous des petites assiettes pour pouvoir partager. On voit que je suis très à l'aise dans les coutumes de se servir, ça a l'air un peu beaucoup spicy. C'est excellent. Genre hors Blackpink et Vanille, je vous conseillerais grave de venir là. Juste pour ça. Ça et la boisson. Trop bon. Comme ça, Mida. On a notre petit dessert. Attendez, je vous montre après. Oh mon dieu. Bon, ça a pas l'air d'être aussi bon. En fait, ils aiment trop le sucre salé ici. Regarde dedans. Je pense que je sais pas ce que c'est. C'est la sauce barbecue. Ah ouais? Mais genre, il est pané. C'est excellentissime. Là, c'est des... Genre, je pourrais grave revenir pour manger ça. Respirer, je vous jure. Regardez le dessert. Ça a l'air un peu spécial. Genre, je trouve que ça a l'air un peu sec. Le gâteau, il était sec. Mais on va voir. C'est énorme. Déjà, juste mon morceau, il pèse 15 kilos. C'est bizarre. On dirait genre t'es en PLS chez toi, tu vois. Genre t'es en PLS, t'as plus rien, il te reste genre du vieux pain de mie et du miel. J'avoue, ça fait un peu ça. C'est pas ouf du tout en fait. Là, c'est un choc de sucre. Genre, je comprends pourquoi les gens aiment, mais moi, c'est vraiment pas mes bails. Je me force un peu. Je vais vraiment exploser là. Oh, sorry. On a terminé. Alors,
Vous allez être choqués du prix. Avec la réputation, etc., ils auraient pu s'enflammer, mais vous allez être choqués. On a payé 21 euros en tout pour tout ça. Donc deux plats, deux boissons et un dessert. Je trouve ça vachement raisonnable. Et trop contente d'avoir découvert une adresse comme ça, parce qu'il y a tellement de restos à Séoul que du coup, bah, tu testes pas forcément tout. Enfin, donc c'est cool d'avoir des nouvelles adresses. On va aller se balader, on va faire un peu de shopping. On est à Gangnam, et Gangnam, c'est vraiment trop cool pour faire les magasins. Il y a plein de petites rues avec des boutiques. Genre, vous savez, les pop-up stores en France, qui sont extrêmement stylés. Bah ici, c'est partout comme ça, version 10 fois mieux. Vous savez que j'ai envie de me foutre à poil, là, j'en peux plus du corset. Non, pour cette vidéo, je veux rester comme ça. C'est tellement propre, les endroits publics comme ça, en Corée. On dirait pas trop le parc à New York, où on mange les bagels. Version Corée, quoi. Version Corée. Propre et safe. L'opposé du parc à New York, quoi. Ouais, un peu, ouais. L'opposé, total. J'ai une question. Est-ce que toi, là, t'as les ongles comme ça? Vous allez me dire en commentaire. Moi, je trouve ça trop stylé. Les manicures pour hommes, mais genre pas manicure comme ça. Genre en noir. Ah tu oui, fais je ça vois. Tu pourrais... Slay. Slay. Est-ce que tu trouves que depuis qu'on est ensemble, je t'ai changé un peu? Bah ouais, t'as dû changer, mais c'est pas du tout de tout. C'est pas comme si j'étais, tu vois, un vieil aigri et que tu me rendais en un mec... Avoue, je t'ai déconseillé. Je sais pas. Si. Bah à quel sujet? T'es moins rigide. T'es moins vieux. Avoue, ah peut-être. T'es un peu moins vieux. Bah c'est normal, c'est pas bien. Je pense pas être moins vieux, juste j'ai pas vieilli du coup avec toi. Moi j'ai vieilli, j'ai pris un gros poil à la gueule. Toi par contre t'as vieilli. Hey, mais c'est une blague. Il y a un Gentle Monster, c'est incroyablement beau. Genre c'est une boutique trop stylée. Jérémy, vous voulez acheter l'huile de soleil? Bon, allons-y. Excuse-moi, on est dans le futur ou quoi là? Ma gueule. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Bon, c'est basique. Ça doit coûter super cher pour une personne comme ça. Ça donne trop envie d'acheter les mêmes, je vous jure. Elles sont bien celles-là. Pour les prochaines vidéos, 24 heures dans la peau de Britney Spears. Là, c'est immétable. Ça y est, genre qu'une seule tenue avec qui ça match. Les gars, j'ai trouvé une paire incroyable. Genre vraiment, elle est trop belle. Je suis obligée de les acheter, je crois. Non, mais là, excusez-moi, mais là, c'est trop grave, là, ce qu'on fait. J'ai envie de tout acheter. Mais dites pas que là, juste en voyant la vidéo, vous avez pas envie d'acheter. Jérémy m'a littéralement abandonné pour aller faire les magasins. D'ailleurs, je me rends compte que quand je suis seule à vlogger dans la rue, je suis beaucoup plus gênée que quand il y a quelqu'un à côté de moi. Parce qu'en fait, on dirait un peu que je lui parle, du coup, c'est moins choquant. Il est l'heure, regardez, c'est le coucher du soleil, d'aller prendre notre goûter. Et je suis trop contente parce que c'est à 100 mètres de là où je suis. J'ai vu dans un vlog des Blackpink l'adresse et même ce qu'elles choisissaient. C'est trop bien d'avoir même les infos de ce qu'elles prennent à chaque fois. C'est un petit truc de goûter qui s'appelle Mamma Mia, où elles prennent des petites pâtisseries un peu improbables. Je crois que c'est un peu en libre service, genre vous vous servez et après vous payez ce que vous avez pris. C'est trop mignon, tout rose. J'aime trop. Oh my god, mais ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est trop mignon. C'est très romantique. Ok, bon, j'ai un peu le seum parce qu'il n'y a pas exactement ce qu'il y avait. Il y a ça. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Donc je vais prendre ça, je pense. Peut-être que je vais prendre une petite boisson avec aussi. J'ai pris le petit cookie et j'ai pris une Aid. Vous savez, les Aid, c'est genre les limonades d'ici, elles sont incroyables. Du coup, j'attends ma petite commande. Venez, je vous montre les lunettes que j'ai achetées. Du coup, j'ai craqué, vraiment, j'ai craqué. Elles étaient trop incroyables. En plus, en fait, à la fin, ils font une personnalisation sur votre tête. Ils l'adaptent, genre, ils font chauffer les lunettes pour les adapter sur votre tête. Genre, c'est lunaire. Regardez le packaging. Mais c'est les plus belles lunettes de ma vie en fait. Cette journée est très spéciale. Vous allez me dire honnêtement ce que vous en pensez. Ça change de d'habitude, mais j'ai que des petites lunettes noires. Vous aimez bien ou pas? Voilà. Du coup, j'ai acheté ça. Je voulais être discrète, mais je parie. Vous allez voir, bienvenue en Corée. Je laisse ma caméra, mon sac à main, ma carte bleue, même mon téléphone. Regardez. Alors que littéralement, il y a la route. Et voilà. Regardez le petit cookie, en fait à l'intérieur c'est blanc comme sur la photo, donc je pense que c'est la même chose, genre sûrement un autre goût. Et j'ai pris une Aid, on dirait un mojito. Et pour tout ça j'en ai eu pour 8 euros, ce qui est pas hyper cher je trouve pour une boisson ou un cookie. On va goûter ce petit truc. C'est vraiment un mojito, ça n'a aucun sens de voir ça. La musique est toujours plus forte dans ce pays, je vous jure c'est choquant. L'année dernière j'avais pas de micro, vous savez que pendant les vlogs j'ai honte de le dire mais j'ai déjà pleuré parce qu'en fait la musique était tellement forte que je devais hurler, mais on est en Corée donc je ne peux pas hurler, c'est très très mal poli. N'importe où c'est mal poli, mais alors ici encore plus. C'est pour ça que j'ai acheté une caméra maintenant. C'est très chocolat. En fait ça s'appelle sablé cookie, donc c'est vrai ça fait un peu sablé. Regardez. Ah, mais il y a de la myrtille dedans. Je sais pas ce que c'est. Désolée, je suis un peu nulle pour décrire les trucs. J'ai remarqué ici, ils donnent pas toujours les détails. Ils vont mettre cookie chocolat et tu te retrouves avec un truc à la myrtille, à la crème, genre je sais pas ce que c'est. En fait, je pense que l'endroit surtout, il est grave cool. C'est grave mignon. C'est dans une toute petite rue.
Il y a grave du choix, c'est tout calme. Enfin, il y a de la musique, mais on s'est compris. Vous savez que j'ai une petite révélation à vous faire. Et je sais que là, on n'est pas à la fin de la vidéo, mais on est genre assez loin dans la vidéo. Donc je sais que c'est vraiment les gens qui me suivent, qui vont regarder la vidéo jusque-là. Bon, vous avez compris. La semaine prochaine, en gros, c'est ma dernière semaine en Corée. Je serai toute seule pour cette semaine en Corée. Donc je pensais à. Déjà, je voulais faire une semaine un peu off. Genre vraiment, j'ai besoin de plus trop poster, etc. Et je pensais pendant cette semaine, genre filmer en mode seule à Séoul et vous sortir un vlog de. Genre, il n'y a rien qui est prévu. Genre, juste je filme quand j'ai envie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais du coup, pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine parce que je pourrais pas faire les deux. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, il y aura un vlog mercredi. Normalement, le rêve de ma vie quand j'étais plus jeune. Et j'avais dit, mais mon entourage, je le sais. Le jour où j'aurai un emploi du temps rempli, ce sera pour moi. Genre, travailler pour moi. J'aurais réussi ma vie. Bon, je ne pense pas avoir réussi ma vie. Si je m'écoute, il y a quelques années, j'ai réussi un petit. Quand même un objectif de vie. Vraiment, à chaque fois, je me dis, mais quelle chance. Bon, là, enfin, un moment, on va pas se mentir. Là, je suis pas en train de travailler, je suis en train de faire une vidéo trop cool que je vous envoie. Enfin, que je vous envoie. J'ai l'impression que j'aurai ça des bottes, c'est très grave, que je mets en ligne. Mais même, genre, je fais que tellement tout ce que j'aime. Là, pour moi, c'est une journée off. Genre, c'est une journée où je mange comme le Blackpink. À un moment, faut. Quand il y a de la comptabilité à faire, des histoires de contrats, de trucs, bon, là, oui, d'accord. Mais là, je peux pas dire que je travaille. Bref, ça pour dire que je suis trop contente, voilà. Je parle beaucoup pour dire peu de choses, c'est fatigant. C'est vraiment gros. Je pense qu'après, je vais rentrer pour me poser avant le repas ce soir. J'ai trop mangé. Jamais je pourrais manger ce soir. Mais à chaque fois, je dis ça et je mange. Donc, je vais arrêter de le dire. Ils mangent tellement, mais tellement tôt le soir. Je sais pas comment ils font. Genre, 17h30, il y a déjà des gens qui sont en train de manger genre leur meilleur barbecue. Alors que moi, je suis même pas encore. Limite, je suis en train de déjeuner. Je me sens trop en décalage dans ce pays. Je suis rentrée à la maison, je suis direct sortie parce que je me suis rappelée qu'on était en Corée et que tout fermait tôt. Donc je suis en route, je suis grave contente parce que c'est à 15 minutes de chez moi, littéralement à pied. Comme ça, je peux marcher. Ok, donc ce soir, on va pas manger coréen. Je vais aller goûter une spécialité. Enfin, je vais aller manger dans un restaurant vietnamien. En fait, dans un de leurs vlogs, il y a Rosé qui a dit qu'elle aimait trop un restaurant vietnamien à Séoul. J'espère vraiment que je vais pas me faire recal. Ça, c'est vraiment un truc. Pour ceux qui sont venus en Corée, vous savez, c'est toujours trop tôt. J'aurais marqué que ça ferme à 21h. Genre les dernières commandes, 19h30. Dites-vous que là, il est 19h45 et il est censé fermer à 22h le restaurant. Donc bon, quand même. Me dites pas ça là tout de suite maintenant, me dites pas ça. Je peux pas te croire. C'est fermé? Ah, c'est fermé! Purée! J'en peux plus de Google Maps. Je me suis habituée à me pointer à des restos qui soit n'existent plus, soit sont fermés, soit je ne sais pas. Donc je sais qu'il y en a un deuxième, je vais regarder si c'est pas trop loin. Ok, bonne nouvelle, c'est à 10 minutes à pied. Je suis recontente! Oula, c'est fermé. Is it close? Yeah, last order. Last order, oh, 20h30. Ça ne va plus! De nouveau. Qu'est-ce que je vais manger? C'est une vraie question là. Je vais trouver un plan B. À la recherche d'un restaurant spécial Blackpink. C'est galère. En fait, j'ai des idées. Genre, il y a des trucs de tempura par exemple. Les tempura, pas de problème. Il y en a un en bas de chez moi. 21h, c'est mort. C'est déjà trop tard. Je suis une débutante. Pourquoi j'ai pas mieux géré mon truc? 15 minutes later. Ok, j'ai trouvé un plan B les gars, tout se passe très bien. Et vraiment je vous jure qu'en fait je suis trop contente de goûter ça, c'est un mal pour un bien. C'est vraiment la base, genre j'ai limite honte de vous dire que j'ai pas goûté ça alors que j'ai passé 2 mois en Corée. Ça s'appelle du chicken kyoshon et il faut prendre du honey combo. C'est genre caramélisé au miel. J'ai hâte, en plus avec des petites frites, ça fait 10 ans que j'ai pas mangé de frites. Ah c'est là, kyoshon. Normalement c'est vraiment genre un fast food. Oula, les gens ils mangent avec des gants carrément, ça me fait peur. Let's go, c'est ouvert, mon dieu. Regardons le menu, j'espère qu'il y a ma spécialité. Normalement oui. Onei série. Montrez-moi tout ce que vous avez. Onei série with a delicious harmony sweet honey sauce and crispy chicken texture. Et en accompagnement, je peux soit choisir des potatoes, soit des chips, soit des frites. Il y a tout. Je pense que je vais prendre des potatoes. Je suis pas comme quoi depuis tout à l'heure, j'attends. En fait, il y a un truc cool. Ça va sonner, attendez. J'ai pas l'habitude. I get one like this with potato. Ça commence très mal. La quantité, ça fait 4 fois mon corps. Oh mon dieu, ça sent trop bon par contre. Trop bon. C'est incroyable, j'ai un peu peur que ce soit un boudin un peu genre congelé, vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout, c'est incroyable. Les gars, je suis en train de manger toutes les frites. Je pense que ça va faire genre une demi-heure que j'attends mon poulet, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous faites avec vos poulets là? Je comprends pas. Comme ça, mais ça va pas. Mais là, c'est pour 10 personnes là. C'est pas compris là. Il y a une erreur de calcul. C'est un mix entre des ailes et des cuisses.
Pourquoi les gens ils ont des gants et pas moi? Moi je veux faire tout comme les Coréens. Thank you. T'attends le passe là? Je pense qu'en fait ils font mariner dans une espèce de préparation avec du miel, mais j'ai l'impression que c'est un peu genre avec de l'ail aussi. C'est très spécial. Par contre la quantité quand même. Je sais pas comment ils font. La quantité elles sont toujours énormissimes. J'aimerais bien faire de l'ASMR mais je pense qu'il y a trop de bruit. Je vais essayer quand même. Le problème c'est que le micro il est en haut, vous allez pas me voir. Mais bon, c'est pas grave, c'est le son qui compte. Les gens qui me voient derrière doivent se dire vraiment elle est trop chelou. Je pense que ce sera mon dernier, je pourrais pas aller plus loin. Oh mon dieu, je suis pas bien. Là, je suis pas bien du tout là. Oh là là, ça m'a retourné ce poulet, je vous jure. C'est grave. Du coup, j'en ai eu pour 21 euros, je crois. Mais pour moi, c'est. Enfin, genre, si c'était que pour moi, ce serait cher pour la Corée. Super cher même. Mais par contre, je pense que c'est vraiment pour plusieurs personnes parce que je vois pas d'autres explications à cette quantité et ce prix. Je vais faire un petit effort pour cette vidéo. J'ai vu plein de trucs sur les fraises. Les fraises en Corée, c'est un truc genre vraiment. Les fraises ici, elles sont incroyablement bonnes. Ils en mettent partout dans des gaufres, dans des desserts, dans des gâteaux, dans des trucs. Et je voyais ce truc qui est à la mode de ouf. Du coup, je me suis dit que ce serait grave cool de vous goûter en vidéo. Regardez, c'est ça. C'est des petites brochettes à la fraise. Il y a tout le monde qui mange ça partout, hein, c'est où? One strawberry, please. En gros, c'est des fraises enrobées dans du sucre. C'est le thème de la soirée. Et je pense que, genre à l'intérieur, c'est grave des fraises genre fondantes. Je me suis coupé la gencive, je crois. Et genre la fraise à l'intérieur, elle est genre glacée. Enfin, pas glacée, genre elle est froide. Du coup, c'est trop bon. Je me pose pour manger parce que c'était vraiment galère en marchant. Oh oh, je vais tomber avant que j'ai la fraise. C'est incroyablement bon. Genre à l'intérieur, vous voyez? Imaginez si vous voyez que ça donne envie, imaginez que ce bois j'ai dans la bouche. C'est en fait les meilleures fraises de votre vie enrobées dans un truc croquant. Tout ça pour 3500 balles. Oh mon dieu! Ça y est, je suis rentrée, mais ça m'a pas la tête. Là, j'ai trop mangé, là, je suis pas bien. J'espère que ça vous a plu. J'adore les vidéos dans cette ville. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur TikTok, je suis active de partout. Sur YouTube, c'est 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche à 18h. Comme toujours, toute l'année, je ne m'arrête pas, j'aime trop. Donc pas de vidéo la semaine prochaine. Je sais que vous allez pas me vouloir parce que je vais vous faire un vlog solo à Séoul. Mais du coup c'est hyper contradictoire à ce que je viens de dire. Je m'arrête juste la semaine prochaine cette année, ok? C'est bon? Active les notifs pour pas louper la vidéo. Parce que comme je poste pas de vidéo, YouTube va sûrement pas me mettre en avant. Donc bon. J'espère que ça vous a plu et on se dit à dans une semaine pour une prochaine vidéo.